Bonjour. Nous avons vu les grands principes de la programmation CGI pour rendre un site web dynamique. Nous allons maintenant les appliquer avec Python. Dans mon formulaire, je vais donc appeler un programme Python, que je ne vais pas bien entendu appeler prog.py, mais si je vais rechercher des films dans une base, plutôt quelque chose comme recherche.py. Ce que mon navigateur enverra au serveur HTTP, c'est donc une requête qui commencera par la ligne suivante, qui référence le programme, et spécifie les valeurs entrées dans le formulaire par l'utilisateur. Avant de continuer, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce que je vais vous montrer n'est pas possible chez tous les hébergeurs. Sur un hébergement gratuit en particulier, les scripts CGI sont souvent impossibles parce que l'hébergeur craint des programmes mal écrits qui partent dans des boucles infinies ou similaires. Malgré cela, ce que je vais vous montrer reste quand même la manière la plus simple et la moins contraignante, sur le plan de l'hébergement, d'utiliser Python pour rendre un site dynamique. Le mieux pour pratiquer ce que je vais vous montrer est d'installer Apache sur votre machine. Si vous n'en avez pas les droits, je vais écrire mon programme d'une manière qui vous permettra quand même de le mettre au point et de l'essayer sans serveur HTTP. Et nous verrons prochainement des manières un peu plus évoluées d'utiliser Python sur un site web qui ne demande que d'avoir Python sur votre machine, donc ce n'est pas très gênant. Pour résumer ce que je vous ai expliqué dans la Pythonerie 31, quand on aura rempli le formulaire, le serveur HTTP va lancer le moteur Python qui exécute votre programme et passer les paramètres reçus dans le message HTTP. Il va créer un début d'entête qui sera complété par le programme et suivi d'une page HTML construite également par le programme. Un point pratiquement très important est que le programme recherche.py doit être exécutable, c'est-à-dire compris comme un programme et pas un fichier quelconque. Sous Linux, il y a une commande simple qui s'appelle chmod qui fait cela. Mais il y a autre chose qui est commun à la plupart des langages de script dans lesquels un moteur exécute le programme que vous avez écrit, qui est qu'il faut préciser quel moteur sait interpréter ce genre de programme. C'est parfois implicite, du fait de l'extension du nom du programme, mais il est recommandé de le préciser explicitement avec un commentaire spécial. Il faut mettre le dièse du commentaire, suivi d'un point d'exclamation, suivi du chemin complet d'accès au moteur Python, qui sous Windows s'appelle python.exe, et sous Linux Python tout court. Ce chemin dépend de l'installation et de la version sous Windows, sous Linux, ce sera en général quelque chose comme cela. Un point important, c'est qu'avant de faire lancer votre script par le serveur HTTP, il faut le tester à fond. Comme je l'ai dit, les hébergeurs n'aiment pas du tout, surtout quand l'hébergement est mutualisé, les programmes qui partent dans le décor. Pour les tests, je vais écrire mon programme de manière à ce qu'il accepte bien entendu les paramètres passés par le serveur HTTP, mais également de manière à accepter des paramètres passés sur la ligne de commande si je le lance dans une fenêtre DOS par exemple ou un terminal sous Linux. C'est pour cela que vous pourrez jouer avec, même sans serveur HTTP. Je passerai les paramètres en disant nom égale valeur sans espace, et si j'ai des espaces dans le titre, il me suffira de le mettre entre guillemets. Je vais reprendre la base de films que j'ai utilisée dans les pythonneries précédentes. Ce n'est pas un vrai système de gestion de base de données, simplement un fichier SQLite que je manipule avec le langage standard SQL. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille avant de poursuivre, si vous ne connaissez pas SQL, de regarder la Pythonerie 23, et si vous le connaissez déjà, de regarder la Pythonerie 24 qui explique la base utilisée, ainsi que la Pythonerie 25 qui montre comment mon fichier SQLite a été alimenté. Je pourrai ensuite transférer mon fichier vers un serveur web. Mais il y a un souci. Dans mon fichier SQLite, les données sont stockées en UTF-8. Je vous ai déjà parlé des systèmes de codage des lettres et des nombreux soucis que l'on a avec les caractères accentués. Avec l'application graphique que j'ai développée dans les Pythonerie 26 à 27, je travaillais avec une représentation Unicode des caractères. Unicode et UTF-8, cela fonctionne bien ensemble. Avec le web, on va retrouver des problèmes de prise de tête. J'ai ma base de données, ou le fichier qui en tient lieu, j'ai mon serveur HTTP, et j'ai mon programme Python entre les deux. Déjà, quand un « et » par exemple va être envoyé par un navigateur au serveur HTTP, il sera transformé en un code spécial. Ce que va récupérer le programme Python, c'est du texte dans le codage classique en français qui s'appelle latin 1. Il faudra le transformer en Unicode pour comparer correctement à ce qu'il y a dans la base. Mais ce n'est pas tout. Quand on va retrouver les données pour constituer la page web, il faudra transformer les lettres accentuées et les caractères spéciaux en HTML entities pour que le navigateur les affiche correctement. Je vous rassure, il y a des fonctions qui font tout le travail, mais il ne faut pas oublier de les appeler quand il le faut. Commençons donc notre programme en donnant le chemin vers le moteur Python. Les trois points sont à remplacer par ce qui va bien sur votre machine. Puis l'habituel coding. Attention, coding ne concerne que les caractères qui apparaissent dans le programme que je suis en train d'écrire, dans des commentaires ou du texte. Rien à voir avec ce que je vais récupérer du serveur HTTP ou de la base.
Derrière, je vais importer le module 6. Il n'a rien à voir avec la programmation web, c'est pour tester mon programme en passant des paramètres sur la ligne de commande. Pour écrire un programme CGI, en revanche, j'ai besoin du module CGI, et je vais rajouter CGITB, qui redirigera les erreurs vers une page web, ce qui aide beaucoup pendant la mise au point d'un CGI. J'ai besoin sinon du module SQLite, et de ce que j'ai écrit pour gérer ma base de films. C'est propre à mon application. Première chose, j'appelle la procédure enable du module CGITB pour activer la capture des erreurs et le renvoi vers la page web. Derrière, je commence par mettre à une chaîne de caractères vides mes deux critères possibles, le titre et le genre. Je vous ai dit que j'allais offrir la possibilité de passer ces critères en argument au programme, il est temps de voir comment. Je vais écrire un tout petit programme de test qui importe le module 6 et imprime ce qui s'appelle 6.argv. Je sauve ce programme dans un répertoire quelconque sous le nom test.py, puis j'ouvre une console DOS, au moins sous Windows, me positionne dans ce répertoire et lance ce programme en le faisant suivre de deux termes. Et je vois que 6.argv est une liste, avec le nom de mon programme, avec tout le chemin d'accès, en position 0, et les arguments derrière. Les barres de division inversées sont doublées simplement parce que c'est un signe souvent utilisé pour signifier qu'un caractère spécial suit. C'est un peu comme les apostrophes qu'il faut doubler en SQL. Comme je vous l'ai déjà dit, si j'ai un espace qui fait partie de mon argument, il suffit que je mette des guillemets autour. Évidemment, après, gérer la liste dans le programme est facile. Je reviens à mon programme. Si ma liste 6.argv ne contient qu'un seul élément, ce sera le nom du programme et dans ce cas, je vais supposer que celui-ci a été lancé par le serveur HTTP. Je vais récupérer un objet formulaire en appelant la fonction FieldStorage du module CGI. Cet objet contiendra tous les paramètres reçus par le serveur HTTP. Si j'ai bien quelque chose, sinon c'est que l'on a lancé le programme sans paramètres dans un terminal, je vais utiliser la méthode getValue de l'objet formulaire pour récupérer la valeur du paramètre genre que j'attends, et je demande, c'est la signification du second paramètre, à avoir un texte vide s'il n'est pas renseigné. Mais je vous l'ai dit, si je ne veux pas être embêté avec ma base de données après, je vais le transformer en Unicode en spécifiant que je transforme depuis la codification latin 1. Même punition pour le titre. Derrière, je vais terminer l'entête HTTP en disant que ce que je vais balancer c'est de l'HTML. Une ligne vide pour indiquer la fin de l'entête, et hop, je suis prêt à cracher du HTML. Maintenant, si j'avais des arguments sur la ligne de commande, là, il faut que je les récupère. Je vais donc boucler sur les éléments de ma liste de la deuxième position, numéro T1 je vous le rappelle, à la dernière, et je vous ai dit que j'attends mes critères sous la forme paramètre égale valeur. Je vais donc avec la méthode split transformer chaque élément en une sous-liste en séparant sur le signe égal. Ce qui est à gauche de l'égal se retrouvera en position 0, ce qui est à droite en position 1. Si à gauche j'ai genre, je récupère le genre avec la même conversion que précédemment. Sinon, si c'est le titre, je le récupère, et sinon je ne suis pas content et je le dis. Je peux maintenant commencer à produire du HTML, mais je vais commencer par créer une fonction. Dans un site, il y a une certaine unité. Les hauts de page se ressemblent furieusement. Je vais donc créer une fonction en_tête_html qui dans mon cas n'est qu'un squelette qui commence la page, ne met que le titre passé en paramètre dans la partie d'en_tête et amorce le corps. Tant que j'y suis, je crée aussi une fonction bas de page qui termine le corps et la page. Si vous regardez attentivement les pages d'un site web, vous avez quasiment toujours en bas des mentions de copyright, un lien vers le plan du site, nous contacter, des bêtises de ce genre. En créant des fonctions et mieux encore en les mettant dans un module que l'on importera, ce que je ne fais pas ici, on sera certain de donner une certaine unité à toutes les pages que l'on générera en Python. Retour au code. J'appelle donc la fonction d'en_tête avec le titre base de DVD, et je commence par mettre avec une balise A un lien vers la page sur laquelle se trouve mon formulaire, dans mon cas la page index.html. Cela permettra de lancer facilement une nouvelle recherche sans passer par le bouton retour arrière du navigateur qui est toujours un peu pénible. Derrière j'attaque. Je commence par vérifier que j'ai bien au moins un titre ou un genre, si ce n'est pas le cas je hurle, et sinon je vais tout bêtement utiliser presque exactement le même code que dans la Pythonerie 27,
où j'effectuais la même recherche dans le cadre d'un programme graphique. Je vous renvoie à cette pitonnerie si les détails sont un peu flous pour vous. Pour la suite, c'est aussi pareil, sauf deux choses. Une pas importante, je laisse tomber la limitation à 50 films. L'autre point est important. Dans la pitonnerie 27, j'ajoutais directement dans la requête la valeur du genre. Ici, je le passe en paramètre. Pourquoi ? Pour me prémunir contre le risque d'injection SQL, dont j'ai également parlé dans la pitonnerie 27. Certes, les utilisateurs ne vont pas saisir le genre directement, mais le sélectionner dans une liste. Mais il va être passé dans l'adresse, ce qu'on appelle l'URL, et n'importe quel abruti peut le modifier si cela l'amuse. Et là, une parenthèse est nécessaire. Dans ma balise form, je ne précise que l'action. Ne rien dire de plus est équivalent à dire que j'utilise la méthode get, c'est-à-dire que je vais passer à mon serveur HTTP un message commençant par une commande get, comme quand je demande une page statique, avec les paramètres associés au programme CGI que j'appelle. Résultat, dans ma barre de navigation, je verrai HTTP point suivi du nom du serveur et de tout ce qui suit get dans la première ligne de la commande HTTP envoyée. Mais il y a une autre possibilité. Je peux dire que j'utilise la méthode post, et dans ce cas-là, le message que j'envoie aura une autre allure. Il commencera par post et le nom de l'action, mais le message ressemblera davantage à ceux que retourne le serveur HTTP dans la mesure où ce ne sera plus seulement un en-tête, mais qu'il aura un contenu d'une certaine longueur qui suivra l'en-tête après la ligne vide, et dans ce cas, le contenu sera ce que j'ai saisi dans mon formulaire. Mais alors le navigateur, qui affichera comme dans l'autre cas uniquement ce qu'il y a sur la première ligne du message, ne montrera plus les paramètres. Quand employer l'une et l'autre? L'avantage de la méthode get, c'est que l'on peut ajouter facilement la page à ses favoris et enregistrer en quelque sorte la requête passée au serveur. Si vous créez une boutique en ligne, vous emploierez get pour votre catalogue, que les gens puissent se dire « voilà quelque chose qui me tente, je l'ajoute à mes favoris ». Dans un forum, vous voudrez peut-être aussi que les gens puissent mettre dans leurs favoris des conversations intéressantes. Avec post, plus moyen d'ajouter aux favoris. En revanche, on pourra passer davantage d'informations. Donc, dans un forum encore, quand quelqu'un pose une question ou y répond, là, on enverra tout le texte en post. Quand vous entrez votre identification et votre mot de passe, on ne veut pas que ce soit dans les favoris parce que cela ne rimerait plus à rien. Donc, on va passer en post. Et en plus, on va crypter, mais c'est une autre histoire. Mais ne croyez surtout pas que post est plus sûr que get et empêche l'injection SQL. Même quand les données sont passées en post, c'est facile de sauvegarder la page qui contient le formulaire, la modifier et passer ce que l'on veut. Il n'y a pas besoin d'être un génie de l'informatique malfaisant, il suffit d'être malfaisant. Pour conclure, comme il pourrait être intéressant de mettre une recherche de film dans les favoris, j'utilise get, et dans tous les cas de figure, je me protège contre l'injection. Sur le web, il faut être paranoïaque. Comme le disait je ne sais plus qui, c'est facile de se moquer des gens qui sont parano, mais si tout le monde vous en voulait, vous le seriez aussi. Maintenant, mon fichier SQLite. Où est-ce que je vais le mettre? Certainement pas sous htdocs, parce que si quelqu'un le demande gentiment, le serveur HTTP va l'envoyer. Je n'ai aucune envie qu'on vole le fruit de mon travail. Je ne vais pas le mettre dans CGI Bin pour une autre raison, c'est un répertoire dédié au programme. Je vais donc créer un autre répertoire donné, ici à côté de CGI Bin, mais à la limite je peux le mettre où je veux, et y mettre mon fichier. Dans mon programme, j'ouvre mon fichier en donnant sa position de manière relative, c'est-à-dire que je dis que je remonte d'un cran par rapport à CGI Bin, avec les deux points, puis je vais le chercher dans données. Je pourrais aussi donner un chemin absolu, mais comme les répertoires d'installation des serveurs HTTP peuvent varier de machine à machine, je risquerais de devoir modifier mon programme si je voulais l'installer sur une autre machine, par exemple chez un hébergeur après l'avoir testé sur une machine isolée. Le relatif est plus pratique. Derrière, je crée un curseur, j'exécute, ce n'est rien que de l'accès base de données très standard, même si SQLite n'est pas un vrai système de gestion de base de données, et je commence par dire que j'ai retourné 0 ligne. Puis je boucle. Si c'est la première ligne que je rencontre, je vais créer une table en HTML avec les balises table qui encadrent le tout, des balises TR autour de chaque rangée, des balises TD autour des données, et pour la première ligne des balises TH qui encadrent les headings, c'est-à-dire les en-têtes des colonnes. Si ce n'est pas la première ligne et si le score est inférieur au score précédent, j'interromps la boucle. Sinon, j'affiche mes données entre des balises TD comme je l'ai dit.
Sauf que quand c'est du texte, et la première colonne que j'affiche correspond au genre, il faut que je transforme en HTML Entities les caractères spéciaux, dont les caractères accentués. Il y a dans le module CGI ce qu'il faut pour cela, mais attention les yeux, la syntaxe est redoutablement barbare. Au passage, les HTML Entities qui sont générés sont moins lisibles que ce que je vous ai montré. Elles sont du genre e-commercial, dièse, un numéro et un point virgule, mais ne vous inquiétez pas, tous les navigateurs savent les interpréter correctement. L'année et la durée ne demanderont qu'à être transformées en texte. J'incrémente chaque fois mon compteur de ligne. En sortie de boucle, si mon compteur est toujours à zéro, c'est mieux d'être explicite et de dire que l'on n'a rien trouvé. Sinon, je termine ma table, j'affiche le compte, j'affiche le bas de page, et voilà, j'ai fini. Si vous ne pouvez pas tester ce programme avec un serveur HTTP, vous pouvez l'appeler en lui passant les paramètres sur la ligne de commande. Attention que le fichier SQLite soit bien dans un répertoire donné au même niveau que le répertoire dans lequel vous lancez le programme, sinon vous aurez des soucis. Si vous voulez, vous pouvez rediriger ce qu'affiche le programme dans un fichier .html et l'ouvrir dans un navigateur. Je vais vous montrer comment cela se passe sur une machine Windows où j'ai installé Apache. Je vais juste sélectionner un genre, comédie. Je lance la recherche, et voilà. Question présentation, cela laisse un peu à désirer, mais sur le plan fonctionnel, rien à redire. Nous rediscuterons la prochaine fois des avantages et inconvénients de la programmation CGI, et j'aborderai des techniques un peu plus avancées.